Ici, on l'appelle Kakadro. C'est en Anibona, la langue de la région. Traditionnellement cultivée en petite quantité, le gingembre constitue aujourd'hui un véritable patrimoine pour les populations de cette région. Notre activité est la culture du gingembre. Hommes et femmes, c'est ce que nous faisons. C'est rentable. Ça m'a même permis de construire. Ce champ dans lequel je suis est un ancien champ. Cependant, il continue de produire. Dans l'année, nous pouvons récolter 3 fois. J'encourage tout le monde à s'adonner à la culture du gingembre. C'est bénéfique. Nous sommes dans le département de Koun-Fao, à l'est de la Côte d'Ivoire, entre Abengourou et Bondoukou. Une région connue pour sa production de cacao, de café et d'anacarde. C'est Kounaouzi et Kwaku Krakro, localité située à 1,5 km de la commune de Koun-Fao, à laquelle elle est rattachée, qui se distingue particulièrement dans la culture du rhizome de gingembre, et ce depuis de nombreuses années. Le gingembre est né par un monsieur qui s'appelait Moussa Traoré, un Malien. Et à l'époque, c'était quelque chose que les gens ne s'intéressaient pas. C'était lui seul qui faisait ce travail. Et à un moment donné, ça a commencé à se développer. Donc, ici, à Kokrako, nous cultivons le gingembre comme notre matière de base. Le gingembre jaune. Parce que ça, moi-même, il y a des fois, il me pose des questions. Est-ce que c'est la terre? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le jeune est venu. Parce qu'au début, c'était le jeune, on n'avait pas ça. Nous sommes très fiers de cultiver le gingembre. Et je pense que c'est un don. Parce que quand on prend la superficie de Koun-Fao, nous comptons 29 villages. Kwaku Krakro et Kounaouzi sont les 2 villages seulement qui cultivent le gingembre. On dit nous avons le meilleur gingembre. Pourquoi? Parce que nous avons le jeune. Le jeune qui contient moins de fibres. Et ici, on ne met pas de l'engrais. C'est pas avec de l'engrais. Mais le coup, quand vous prenez le noir et que vous prenez le jaune, vous allez trouver la différence. C'est-à-dire le noir, puisque contient de fibres, ne pique pas. Or par contre, le jaune, mais vous prenez demi, mais ce que ça va vous montrer. En dehors de considérations d'ordre commercial, en dehors de peut-être facteurs sociologiques qui pourraient expliquer ça, il y a un premier fait qui est indéniable en termes d'explication, c'est l'état du sol. Le sol se prête à cette culture jusqu'à maintenant. À l'heure où je vous parle, si vous allez à Koun-Fao, vous trouverez du gingembre partout. Vous trouverez toujours des stocks qui existent. Vous trouverez en bordure la principale voie d'accès à la ville. Vous trouverez des vendeuses au bord de la vue de cette voie en train de vous proposer de quantités non négligeables de gingembre. Initialement, ça n'avait pas l'air d'intéresser beaucoup de personnes, mais compte tenu de sa couleur spécifique, la couleur très jaune, qui fait que progressivement, à l'achat, sur la route, les passants, les passagers et les gens qui l'amènent sur l'Abidjan ont fini par faire la publicité de ce type de gingembre. Ce qui fait que finalement les gens se sont intéressés à ce produit qui est spécifique à Kounaouzi. Erma Kono, ce gros village à 40 km de Divo, sur l'axe Divo-Tiassalé, est connu comme le site privilégié de la culture du gingembre en Côte d'Ivoire. Sa production y est toujours abondante. C'est une zone qui s'identifie pratiquement par la culture du gingembre. La production du gingembre est si abondante que elle est devenue aujourd'hui un facteur
d'identification de cette localité. Quand vous entendez parler d'Herman Kone, vous pensez tout de suite au gingembre. Je crois que c'est la plus grande zone de production de gingembre en Côte d'Ivoire. Mais le gingembre s'est trouvé un autre terrain de prédilection. Koun-Fao et ses environs représentent des destinations sûres du gingembre en Côte d'Ivoire. Moi, je vis à Koun-Fao et je vends des fruits ici au marché il y a de cela quelques années. Je sais que si vous demandez du gingembre, beaucoup de gingembre, allez à Kwaku Kwakro ou à Kounaounzi là-bas, vous en aurez assez, même pour remplir plusieurs camions. Le gingembre que nous cultivons à Kokrakro et Kounaounzi dépasse l'anacate, le cacao et tout. Avec le gingembre, nous faisons tout. C'est avec le gingembre, nous mettons nos enfants à l'école. C'est avec le gingembre, on se soigne. C'est avec le gingembre, on fait tout. Le gingembre, de son nom latin Zingiber officinal, est une plante tropicale herbacée d'environ 0,90 mètres de haut, proche des orchidées originaires de la région orientale des Indes. C'est surtout la partie souterraine du gingembre qui fait l'objet de commerce. Sa présence est très remarquable sur les marchés où il est vendu sous plusieurs formes, frais ou séchés. En Côte d'Ivoire, sa boisson appelée communément Nyamakuji, étymologiquement jus de gingembre, en malinké, une infusion sans alcool bien connue. Aujourd'hui, au niveau de toutes les communautés ivoiriennes, toutes les communautés ethniques, au cours des réceptions et autres, des manifestations quelconques, là où il y a du bissap, il y a du gingembre. Il y en a qui l'ont chez eux déjà à la maison. Quand vous allez les voir, vous allez leur rendre visite, eh bien, ils vous le proposent. Comme quelqu'un vous proposerait de la bière. Le gingembre est aussi utilisé comme une épice en cuisine, en médecine traditionnelle et dans la composition de nombreux produits diététiques. On lui prête même de nombreuses vertus. À Kwaku Krakro, plus de trois quarts de la population constituée essentiellement d'Ani, de Malinké et de Burkinabé, pratique l'agriculture, des cultures pérennes, le cacao, l'anacarde, le café, les cultures vivrières telles que le maïs, la tomate, l'igname, l'arachide, la banane plantain, le manioc y sont aussi pratiqués. La présence massive de cette population dans la culture et la commercialisation du gingembre est impressionnante. Monsieur Dongo Isidore, chef du village de Kwaku Krakro, ne croit pas si bien dire quand il révèle que dans le village de Kwaku Krakro, tout le monde est gingembre. Donc ici à Kokrakro, nous cultivons le gingembre. Tout le monde, sans exception, que ce soit femme, garçon, étranger, tout le monde, même enfant. Il y a d'autres, même quand elles sont enceintes, elles font le champ pour leur enfant. La culture du gingembre est aujourd'hui devenue l'une des principales sources de revenus agricoles des paysans. Afin d'assurer des revenus,